va vous présenter l'entrée, le grand escalier. Ça va te casser la gueule. Si on faisait le rez-de-chaussée déjà. Ben oui, mais attends. Alors, nous sommes au niveau du premier étage. D'abord, il faut beaucoup d'imagination, n'est-ce pas? Et quand nous serons ici, nous sommes ici, autant qu'ils m'en souviennent dans la salle de cinéma, n'est-ce pas? Le théâtre. Ici, la mezzanine, où j'aurai mon bureau. M'enfermer, écouter mes musiques tranquillement, sans avoir rendu compte de ce que j'écoute. Tranquille. Ici, c'est la salle de bain. La chambre est dressée. Encore. En plus, c'est dégueulasse. Vous encore. Encore. Alors, donc, après le grand escalier, nous voici maintenant dans la salle de séjour. L'endroit favori en ce qui me concerne, my favorite place, le beau rideau. Qui donne directement sur les plages et le barbecue. Il se paraîtra bien sûr en temps voulu. La salle de séjour, toujours. Et là, la cuisine. L'endroit des supplices pour moi, qui n'aime pas cuisiner. Beaucoup d'espace pour la cuisine. Ici, nous mettrons la baboune, l'évier. Et nous aurons une vie sur les montagnes. Le saisier et là-bas dans le fond, la maison de Lucas. Je suis drôle. Oh putain, ça... Sortant de la cuisine, nous entrons directement après un passage dans l'entrée. Je vous rappelle le grand escalier à votre gauche. Et là, ah, vraiment. La salle de bain, les toilettes, qui nous rendent directement dans la chambre de Madame Denise, la reine-mère. Et ce n'est pas fini. Un passage très rapide dans le cellier. Et enfin, nous voici dans le garage. On est à place de garer deux voitures, je sens que ce ne sera pas facile. Je vais encore me faire un on aura bien de quoi mettre masse et trois et puis la voiture à Christian. Du moins j'espère.